La principauté de Monaco est située à une vingtaine de kilomètres de Nice. Sa superficie est de 2,2 km, dont près de 40 hectares sur la mer. C'est donc le pays le plus densément peuplé au monde. La ville de Monaco est divisée en 6 quartiers. Monacoville, ou le Rocher, le quartier du Jardin Exotique et des Moneghetti, Fontvieille, la Condamine-Port, Monte-Carlo et le Larvotto-Plage. Dans le quartier de Monte-Carlo, on peut admirer le casino et son opéra de style Belle Époque, conçu par Charles Garnier. Non loin se situent les célèbres hôtels de Paris et l'Ermitage. La rade de Villefranche, dans la baie des Anges, offre un abri pour les nombreux navires de croisière. La promenade des Anglais de Nice doit son nom aux Anglais qui séjournaient ici en hiver au 19e siècle. L'hôtel Negresco est un hôtel de luxe situé sur la promenade des Anglais. Depuis 100 ans, il accueille les célébrités qui viennent sur la côte. Antibes est une ville d'origine grecque qui a eu un rôle stratégique, comme en témoignent ses remparts modifiés par Vauban et le fort carré qui abrite le musée Picasso. Les yachts et voiliers sont amarrés dans le port. La ville de Cannes est célèbre surtout pour son festival international de cinéma et la croisette. Cette promenade est agrémentée de palmiers et de jardins, est bordée par des plages de sable fin, des magasins et des hôtels de luxe. Le festival de cinéma a lieu tous les ans, au mois de mai, pendant 15 jours. Les films sont projetés dans le palais des festivals. Un jury décerne plusieurs prix, dont le plus prestigieux est la Palme d'Or. Saint-Tropez, au départ, n'était qu'un simple petit village de pêcheurs. C'est le peintre Paul Signac qui, en 1892, découvre ce village et y invite ses amis. Le lieu devient à la mode dans les années 1960 avec l'arrivée des acteurs célèbres comme Brigitte Bardot. Aujourd'hui, les yachts sont plus nombreux dans le port que les bateaux de pêche.